Je m'appelle Maître Tulescu et ma passion est la peinture. J'ai eu ma première exposition personnelle à l'âge de 5 ans dans l'espace d'un musée où j'ai exposé des toiles de grande dimension pour mon âge. Dès lors, j'ai eu 5 expositions personnelles et plusieurs collectifs d'artistes consacrés à côté de moi. J'ai exposé dans des musées, dans des galeries d'art contemporain, les unes dédiées exclusivement pour des artistes professionnels. Pour moi, exposer dans de tels espaces, c'est un rêve accompli. J'ai participé aussi plusieurs fois à des expositions collectives et en groupe et j'ai des prix à des concours d'art visuel destinés aux jeunes artistes. Ce sont des prix nationaux tant qu'internationaux. Les critiques d'art qui ont parlé sur mes travaux, sur mes peintures ont affirmé qu'elles sont mûres et inattendues pour un enfant de mon âge et si je pouvais participer avec ces peintures à des expositions des adultes, on ne soupçonnerait pas qu'il s'agit de travaux réalisés par un enfant. Au début, j'ai joué avec les couleurs parce que j'aimais les combiner, les mettre de côté, de les mélanger. J'ai expérimenté, j'ai joué. Et maintenant, j'aime tout autant qu'avant de faire les choses différemment parce que sur la toile, je peux m'exprimer beaucoup plus varié et légèrement. J'aime peindre le monde comme je le vois. J'ai pas avec les couleurs acryliques parce que j'aime leur combinaison et parce qu'on peut obtenir de beaux effets. J'adore peindre sur de grandes surfaces, beaucoup de mes travaux en dépassant ma taille. Le plus grand travail peint par moi et qui se trouve dans une collection privée mesure 1,50 m sur 3 m. Pendant mon temps libre, je vais aux expositions, au festival d'art parce que je suis intéressée à voir et à découvrir les travaux d'autres artistes. Je voudrais que l'art soit un langage universel, que les gens soient connectés par les beaux-arts. Pour l'avenir, je souhaite que je sois présenté à autant d'expositions que mon art soit exposé dans les grandes galeries du monde.